Le championnat de France des jeunes est l'une des étapes incontournables du Lacoste Junior Tour. A cette occasion, pendant le deuxième jour des qualifications, Julien Ken est venu à la rencontre des futures vedettes du golf français pour une séance de dédicaces. Ce qui me plaît dans le Lacoste Junior Tour, c'est de pouvoir transmettre aux plus jeunes mon expérience, essayer de les observer, de pouvoir les aider peut-être ou leur donner des petits conseils et qu'ils puissent s'identifier à un joueur professionnel et éventuellement leur donner la vocation d'en faire leur métier aussi. Le monde du golf a changé et les jeunes prennent le pouvoir et ils sont décomplexés et ils ont envie de réussir. Ils sont tous motivés, ils sont tous heureux d'être là et tu sens qu'ils ont envie de performer quoi. Donc il n'y a que ça qui les intéresse, le résultat et ça je trouve ça chouette. Le fait que Lacoste associe son nom au Lacoste Junior Tour, il s'associe aux jeunes, c'est dans l'histoire de la marque, ils le font depuis toujours et je trouve ça super que les plus jeunes puissent s'identifier à des champions et des grands champions et voilà. Le double vainqueur sur le Tour européen a ensuite animé un clinique d'environ une heure en compagnie de Benoît Téléria. Il a ainsi pu faire partager son expérience et dispenser ses bons conseils. C'est ça qui va rentrer dans le sol en premier. On ne va pas utiliser le band qui est en dessous, ce que vous utilisez pour les bunkers par exemple. Quand vous ouvrez la face de club dans le bunker pour aller le faire rebondir, là on va utiliser l'arête ici. J'ai juste insisté sur le chipping, le putting, le wedging et le fait de s'entraîner, d'y passer du temps, de varier les situations. Cette visite au championnat de France des jeunes a également permis à Julien Ken de se remémorer ses propres participations à l'événement lorsqu'il était encore amateur. J'en ai fait trois de mémoire. À l'époque, j'en avais fait un au golf national. Et je retiens qu'à l'époque, je jouais plutôt bien et je m'étais fait éliminer par José-Philippe Lima, qui est un joueur du Tour européen aussi. Et j'ai que des bons souvenirs. Le fait de partir à plusieurs jeunes, c'était comme une colonie de vacances. C'était chouette. On passait des bons moments. Le championnat de France des jeunes, où toutes les catégories d'âge sont désormais dans la phase finale de match play, se termine ce mardi.